Le Mobile Day, c'est un événement qu'on organise tous les ans qui a vraiment pour objectif de faire découvrir à nos étudiants un certain nombre d'avancées technologiques très récentes dans le domaine de la mobilité informatique. Les objets connectés, la robotique, la domotique, sujet qui bouge énormément, donc on intègre ces technos dans nos programmes de cours régulièrement, mais on ne peut pas tout couvrir. Et là, ça permet vraiment de faire des démonstrations de choses qui sont très très récentes et qui sont en train de venir. On commence à voir apparaître des montres connectées, ça c'est la partie visible de l'iceberg. On commence à pouvoir acheter en magasin des ampoules intelligentes que l'on peut piloter avec son smartphone. Aujourd'hui, tous les grands acteurs de l'informatique, Google, Intel bien sûr, Microsoft et d'autres, sont engagés dans ce mouvement. Cette conférence sur les dernières avancées de la robotique, c'est qu'aujourd'hui ça devient un domaine qui commence à être mature, on commence à avoir des applications. C'était longtemps dans le monde de la recherche, la robotique. Et pour un informaticien, des possibilités de programmer ses robots, de développer des applications associées à ça. Donc ça permet à nos étudiants de découvrir vraiment les réalités, où est-ce qu'on en est dans la robotique aujourd'hui. Il est capable de quoi? Il est capable de vous parler, d'interagir, donc c'est du dialogue, et de vous reconnaître, de se déplacer, de se lever, de danser, de chanter, puisque c'est une bande son. Il est capable de reconnaître des sons, et il est capable de savoir où vous trouver. Et de vous suivre par exemple du regard. Aujourd'hui, ce n'est pas un jouet, c'est un objet qui permet de créer des applications et c'est une plateforme de développement. Il y a un côté créatif à la création et puis ensuite le développement dans des contraintes assez fortes de l'embarqué et le robot. Il y a vraiment du travail possible pour des gens très intéressés par la robotique. D'ailleurs, ils peuvent venir nous voir hein, s'ils ont des bonnes idées et qu'ils veulent expérimenter sur le robot. C'était intéressant, la conférence sur Nao. Ça nous a permis de compléter notre formation. C'est plus concret, ça permet d'avoir une autre vision que celle qu'on a juste en cours. De base, la robotique, j'aurais pas forcément pensé. Le fait qu'il y ait quand même des développeurs et des graphistes qui viennent d'autres univers que de la programmation, c'est plutôt intéressant pour plus tard. On se détend entre les confs, on a donc les crêpes. Des crêpes vertes pour Android, des crêpes bleues pour Apple et des crêpes sans colorant pour ceux qui n'aiment pas le colorant.